بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Je vais donc aujourd'hui donner certaines preuves en complément de ce que j'avais cité auparavant. Tout d'abord, comme d'habitude, j'aimerais réagir donc sur certains commentaires, car je les lis régulièrement. Alors, je ferai d'ailleurs une audio consacrée exclusivement aux commentaires, parce que je lis quand même des choses assez hallucinantes. Alors je lis par exemple qu'avoir recours à la logique, donc à la raison, serait signe de faiblesse. Alors je vous demande, est-ce que c'est sérieux? Je comprends pas là. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous pensez peut-être que Allah nous a doté d'une raison pour ne pas s'en servir? Des yeux pour ne pas regarder, une bouche pour ne pas parler. Est-ce que vous êtes sérieux? Je vous demande. Donc Allah Ta'ala nous a créé avec une raison. Mais d'après vous, il ne faut surtout pas s'en servir. Alors d'autres me disent, Sunnite 1, tu n'utilises que ta logique. Et nous utilisons les versets et les hadiths. Alors oui, les versets, les hadiths équivoques, ça on avait bien compris. Soi-disant, j'utiliserai ma logique. Alors, vous pensez qu'il y a combien de logiques, vous? 3, 4, 5. J'utilise pas ma logique, mais la logique. Donc si je vous dis 1 plus 1, vous allez pas me dire... selon ma logique, à moi, ça fait 3. Parce que je pense que vraiment... vous réfléchissez pas. Apparemment, vous n'aimez pas réfléchir. Voilà. Vous n'aimez pas réfléchir. J'ai une autre petite remarque. Je vous pose régulièrement des questions. Et vous me répondez par des questions. Donc, j'en conclus que vous n'avez pas de réponse. Mais, Inch'Allah, je vais répondre à vos questions, il n'y a pas de souci. Alors, on me dit, Sunnite 1, cite-nous un de nos savants qui dit que Dieu s'assoit sur le trône, ou s'établit, parce que s'asseoir et s'établir, c'est pareil. Parce qu'ils expliquent aussi l'istiwa par l'établissement. Donc, je vous invite à lire les commentaires. Même si maintenant ils sont passés encore à une autre version, ils disent que l'istiwa, c'est l'élévation de Allah au-dessus de son trône. Ça, c'est la nouvelle version. Donc ça, Inch'Allah, je vais y venir dans la prochaine audio qui va suivre. Inch'Allah. Alors, je vais vous citer un de leurs soi-disant savants, qui se nomme Abu Bakr al-Jazairi. Dans son livre qu'il a intitulé « Minhaj al-Muslim », c'est-à-dire « La voie du musulman ». Moi je l'appellerais plutôt « La voie de l'anthropomorphisme », mais bon. Alors il a dit dans le chapitre « Nom et attributs de Dieu », pages 28 et 29 selon l'édition. Alors je cite « Il parla effectivement à Moïse, s'établit sur son trône, créa de ses mains, manifeste sa satisfaction des croyants, aime les bienfaiteurs, ainsi que d'autres attributs cités dans son livre et énoncés par son prophète, tels que Dieu vient, Dieu descend, etc. 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 Fin de citation. Donc, toutes ces interprétations erronées sont bien sûr tirées de versets et de hadiths équivoques, vous l'avez bien compris. Il dit d'ailleurs dans le même livre, je cite, « Dieu ne nous a pas non plus demandé de chercher au fin fond de chaque épithète et nom un sens autre
que le sens apparent. Donc là, il dit clairement qu'il ne faut pas interpréter les versets équivoques, hein, il faut les prendre au sens apparent. Mais bon, lui-même interprète par, enfin, par établissement le mot istawa. Istawa, il l'interprète par l'établissement. Hein. Enfin, ça, c'est la traduction en français. Mais bon, vous pouvez vérifier aussi dans son livre en arabe, là, intitulé donc Minhaj al-Muslim, qu'il interprète l'istiwa par el-Julus. Hein. C'est écrit, donc vous pouvez aller le vérifier. Maintenant, j'aimerais que vous écoutiez ce qu'a dit l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa, excusez-moi, qui est un savant du Salaf. Hein, donc, il est né en l'an 80 de l'Hégire, il est mort en 150. Il faisait partie des trois premiers siècles. Donc, il a dit dans son livre Al-Wasiyah, page 81. Alors, je cite: Nous récitons que Dieu est istawa ala. Le trône, hein, donc nous récitons que Dieu est istawa ala le trône, sans qu'il ait un besoin, ou qu'il soit établi sur le trône, il est le protecteur du trône, et d'autres que cela, sans qu'il ait un besoin. Car s'il avait un besoin, il n'aurait pas pu faire exister le monde, ni ce qui lui advient, comme les créatures. Et s'il avait le besoin de s'asseoir, Julus, et de s'établir, Istiqrar, alors avant de créer le trône, où donc aurait-il été? Dieu est exempt de ce que lui attribuent les injustes. Bon, alors là, vous voyez bien que l'imam Abu Hanifa a bien expliqué en disant Istawa ala ne s'interprète pas par le fait que Allah serait assis ou établi sur son trône. Contrairement à Abou Bakr al-Jizairi, hein, qui dit clairement, hein, qui s'est assis ou établi. Bon, et vous remarquerez aussi que dans ce paragraphe, l'imam Abou Hanif, hein, n'a pas interprété le mot istawa par domination dans ce paragraphe, car le propre des salaf, hein, c'est de donner un sens général, hein, beaucoup plus global. Hein, en se détournant bien sûr des interprétations anthropomorphistes telles que s'asseoir ou s'établir. Il donne en fait, il a donné, enfin il n'a pas interprété directement par domination, mais donc il s'est détourné de ce qui n'est pas digne d'attribuer à Allah Ta'ala. Alors, Abu al-Zahiri, il ne s'est pas non plus gêné pour mentir au sujet de l'imam Malik en lui attribuant cette parole. Alors écoutez bien. Alors soi-disant, Malik aurait dit, hein, d'après Al-Jazairi, Al-Istiwa ma'loum wal-kayf majhoul. Alors ce qui signifierait, hein, si je traduis, l'istiwa est inconnu et l'istiwa est connu et le comment est inconnu. Donc, ce qui sous-entendrait, d'après lui, que l'istiwa a un comment qu'on ignore, hein, puisqu'il dit que le comment est inconnu. Donc, ça signifierait, hein, qu'il a un comment qu'on ignore. Donc, qu'il serait comme quelque chose qui serait jusqu'alors ignoré. Ça veut dire ça. Alors, bien sûr, l'imam Malik, il n'a jamais dit ça. Hein. Donc, Ibn Zayd Al-Qayrawani, qui était un grand savant malikite mort en 386 de l'Hégire, dit dans son livre Kitab Al-Jami' fi Sunan, Wal-Adab, Wal-Maghazi, Wal-Tarikh, page 123. Alors, il cite, hein, donc la véritable phrase, enfin la véritable parole de l'imam Malik. Donc, un homme demanda à Malik: Ô Abdullah, Ar-Rahman ala l'arsh istawa. Comment istawa? L'imam Malik répondit: L'istiwa n'est pas inconnu et le comment n'est pas concevable. Hein? Donc, al-istiwa ghayru majhoul, wal-kayf ghayru ma'qoul. Ça, c'est en fait la véritable phrase de l'imam Malik.
poser la question à ce sujet est une innovation et y croire est un devoir. Et je pense que tu fais partie des mauvais innovateurs. Et le fit sortir. Donc après, Imam Malik, il a fait sortir cet homme. Donc cette version est aussi rapportée par Zahabi. Voilà, donc d'après eux, hein, l'imam Malik, il aurait dit que le comment, l'istiwa donc est connu et que le comment est inconnu. Voilà, donc comme si l'istiwa, il a un comment, il est comme quelque chose, mais qu'on ignore. Voilà, donc nous avons un comment, hein, mais l'istiwa de Allah, il n'a pas de comment. Allah n'a pas de comment. Hein. Donc les gens du salaf, lorsqu'ils disaient Allah istawa ala l'arche, ces gens, en fait, disaient istawa sans comment. Voilà. Donc si encore vous faisiez comme les gens du salaf en disant istawa sans comment, on serait d'accord. Hein. Je vous l'ai déjà dit ça. Mais n'attribuez pas à l'imam Malik le fait d'avoir dit que Allah Ta'ala istawa et le comment on l'ignore. Donc ça voudrait dire qu'il a un comment, mais que nous ignorons. L'imam Malik n'a jamais dit ça. Donc allez vérifier, inshallah. Je vous invite aussi à vérifier donc ces références. Hein. Donc vous les pseudo-salafis, vous n'êtes pas dispensés. Hein? Donc si vous savez, enfin si vous savez lire l'arabe, vérifiez, inshallah. Hein? Enfin je me demande si vous avez déjà ouvert un livre de l'imam Malik ou d'un savant salafi. Bref. Donc vous voyez bien que ces gens ne se gênent pas pour mentir sur les savants du salaf en leur attribuant des paroles qu'ils n'ont jamais dites. D'ailleurs, si vous regardez dans leurs livres respectifs ou authentiques, vous aurez les preuves que ces gens mentent pour faire croire qu'ils sont conformes aux gens du salaf. Hein, en fait, la plupart des mensonges, la plupart de ces fausses paroles attribuées à ces éminents savants se trouvent uniquement, hein, uniquement dans leurs livres à eux. Hein, c'est-à-dire les livres de Abu Bakr al-Zahiri, les livres de Ibn Baz, de Muhammad ibn Abdul Wahhab ou autres. Hein. Ou alors vous les trouverez uniquement dans leur site. Hein. Donc tous les commentaires que vous trouvez hein, en dessous de mes audios, hein, où ils vous disent que l'imam Malik a dit telle chose ou l'imam Abu Hanifa a dit telle chose, ce sont uniquement que des copier-coller de sites de dégénérés pseudo-salafis. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas plus illogique que ces gens. Il n'y a pas plus menteur que ces gens. On sait d'ailleurs qu'ils organisent régulièrement des opérations de dons du livre. Hein, il faut savoir que le livre donc, qui a été écrit par Abu Bakr al-Jazairi, donc la voie de l'anthropomorphisme, oui, moi je l'appelle comme ça. Hein. Ça a été quand même le livre numéro 1 le plus vendu en Europe. Hein. C'est un peu étrange quand même hein. Hein, qu'on favorise. Enfin, si vraiment ça aurait été un livre vraiment authentique, vraiment, étant donné l'ignorance qu'il y a de nos jours. Je pense pas qu'il aurait eu autant de succès, hein, parce que bon, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont tombés entre les mains de ces pseudo-salafis, mais maintenant beaucoup moins, hein, beaucoup moins. Les gens commencent à se réveiller, alhamdoulillah, je m'en aperçois de jour en jour. Donc, ils donnent ces livres-là quand même. Hein. On sait quand même que ces livres coûtent une fortune. Hein. On sait que faire des livres, il hein, faut voir en plus la qualité. Qualité de ces livres, je parle au niveau papier, hein, pas, je ne parle pas au niveau du contenu. Hein. Au niveau du contenu, c'est vraiment catastrophique. Donc, ils les donnent. Alors, on sait par qui sont financés ces gens. Hein. Ils sont financés par l'Arabie Saoudite, hein, qui finance aussi le massacre de nos frères en Palestine. Hein. Bon, après, ça se dit suivre les gens du Salaf. Un peu bizarre. Alors, j'ai envie de vous dire, les pseudo-salafis, c'est bientôt votre fin. Inch'Allah, c'est bientôt votre fin. On va mettre un terme, Inch'Allah, à votre règne sur les lieux saints. Hein. On est arrivé à une époque où la vérité est en train de se dévoiler. Elle est en train de se dévoiler. Hein. Donc, vous êtes entre nos mains, là.
Là, on vous tient, hein. Vous êtes entre nos mains de pauvres, hein. Alhamdulillah, notre richesse, elle est dans notre cœur. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On n'a pas besoin de vos pétrodollars. On n'a pas besoin de ça. Nous, Alhamdulillah, notre richesse, c'est notre croyance. Et Inch'Allah Ta'ala, on ne vous laissera pas y toucher. Donc, je voudrais passer quand même un petit message. Je vais me calmer un peu. Un petit message de soutien à Elif 67, hein, mon frère. Donc, je sais que tu m'écoutes. Donc, j'ai envie de te dire, continue ton travail, hein, malgré les difficultés. On te soutiendra jusqu'au bout. En tout cas, moi, je te soutiens. Hein, que Dieu t'aide. Rabbi aounak, inshallah. Et que Dieu aide nos frères palestiniens. Hein, donc, mes frères et sœurs, inshallah, n'oubliez pas nos frères. Qui est souvent massacré, peut-être même à l'heure où je suis en train de vous parler. Donc, vous les oubliez pas dans vos doigts, Inch'Allah. Faites beaucoup d'invocations dans vos prosternations. Faites aussi beaucoup de sadaqa, Inch'Allah. Et mettez l'intention que par cet acte, Allah Ta'ala aide nos frères, nos sœurs et nos enfants qui souffrent actuellement en Palestine. Faites beaucoup de doigts, il faut faire preuve de beaucoup de patience, Inch'Allah. Et de toute façon, sachez que la vérité, hein, n'a pas peur du mensonge et que la justice, elle l'emportera, Inch'Allah, sur l'injustice. Ouais. Et donc, Inch'Allah, on va tous se réunir autour de la vérité. Hein. Et Inch'Allah, Ta'ala, ben, jusqu'au bout, Inch'Allah. On combattra ces gens qui touchent à notre croyance. Et Inch'Allah Ta'ala, Allah, il va nous rendre, Inch'Allah, victorieux. Ya Rabbil Alamin. Voilà. Donc, tous les gens épris de justice, hein, tous les gens assoiffés de justice, hein, qui veulent la paix, je m'adresse à vous. Et faites beaucoup, beaucoup d'invocations, Inch'Allah, pour nos frères qui sont en Palestine. Alors, barakallahu fikoum. Et je vais faire, inshallah, une seconde audio très très vite là. Il y a encore certaines choses à dire. Et je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum.